Yeah, bienvenue sur Minecraft avec Skynose et Merceline. Salut! Et nous sommes dans un monde merveilleux rempli d'eau, de sable et de bouts de bois. Des bouts de bois, oui, n'est-ce pas merveilleux? Wow. Avec une maison à peu près. Minecraft, la géologie pour les nuls. Il y a du sable. Non mais casse pas le sol de la vague. C'est du sable, c'est pas du sable. Et ouais, mais c'est la crise, hein. Ouais. Voilà, le chantier polonais commence. Nous sommes fixés pour but de nous faire une magnifique petite fontaine j'ai un magnifique petit village. J'avais plus trop ce que tu voulais dire. petite fontaine n'a rien de cochon. Oui, en fait, t'as pris... À la base, non, maintenant, on peut bien... En cherchant, on peut trouver, je suis sûr. Oui, des cochons, il y en a là. Ça me fait plaisir. À l'attaque. Mais arrête de tuer des cochons. J'ai faim. Ah super, je viens de ramasser l'arbre le plus grand de Minecraft qui faisait 1 sur 1. Arrête, il y a un arbre là, il fait 4 sur 4 de diamètre. Bah oui. C'est énorme. Excuse-moi, moi ça fait quelques temps que j'ai pas joué à Minecraft. N'empêche, le jour où les jeux vidéo, tu sentiras les gouttes. Ça m'arrive lorsque tu joues avec une personne qui a un appareil dentaire. Ouais, c'est ça. Tu sens les gouttes quand tu joues. Faut que tu lui demandes de venir que quand il pleut et tout. C'est pour l'immersion. Merde, n'oublie pas ton appareil. Par contre, il parle comme ça. Non mais sérieusement, t'es où là? Il me faut la pomme, j'ai plus de bouffe. Aïe, je commence à pleurer. Je suis dans la maison. Oh là là là. Alors, pour rentrer, faut que tu ramènes une pomme. C'est le gars. Je vais crever là. Enfin, je vais perdre toute ma vie, en plus je me casse la gueule. Tiens, mange dehors, pour le pauvre. Ouais. Nom 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 nom. C'est bon. Ah, je suis bien content. Mais non, j'en avais du bois. Ah bah, je vais prendre de la pierre. Là, j'y vais, je vais prendre de la pierre. C'est un dialogue des soirs. Bon, la maison, elle est en train de s'effondrer parce qu'en fait, vu que c'est construit sur du sable, et bah, quand on creuse, et bah, y a tout qui tombe. En même temps, quand c'est construit par Bender, je me fais pas trop d'illusions. Hein. Ah, ça part, bah, je vois. En fait, t'as l'impression de rejouer à la dinette. Ah, bah, d'accord. Alors, moi, j'ai cherché de la pierre dans une carrière, mais lui, il creuse sous la maison, quoi. Bah, oui. Il se fait déjà une cave, quoi. Bah, oui. Il pense le stockage de l'alcool. Écoute, hein. Et puis je parie qu'il a pris les bâtons, hein. La partie palpitante de Minecraft, creuser. En fait, Minecraft, c'est un peu un Sims pour les garçons. Parce que t'as pas d'histoire de sexe ni de romance, tout ce que tu fais c'est taper dans le petit caillou. Ça permet d'élever le niveau du débat, quoi. Et ce que l'autre a dit, ouais, je suis en train de nourrir mon chien, j'ai pas nourri le matin. Tu joues à Minecraft, tu dis, je casse du caillou. Cool. Non, le but du jeu c'est d'avoir du diamant. Et après, quand t'as du diamant, bah tu le dépenses pour avoir encore du nouveau diamant. J'ai trouvé une caverne. Est-ce que je peux te poser une question comme ça? Oh mon dieu, c'est immense! Regarde, il y a un passage! Attends, je te suis! J'ai trouvé une caverne! Oh, il y a un passage aussi! Vas-y! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tant pis! Il pousse dans les hautes herbes! Oh, un jour, je serai le meilleur danseur. Le seul jeu bien censuré qui te permet de torturer et de faire combattre des petites créatures a priori sans défense. À mort, quoi. Tiens, je les torche. Et tout le monde semble ravi. Tous les personnages, c'était naïf, mais des psychopathes parce que ils passent toute leur vie à chasser des vers pour les mettre dans des arènes. J'ai jamais trouvé un truc aussi farfelu. Mais ça marche terriblement bien. Non, mais ce qui est génial, c'est les premiers combats. Les mecs, ils prennent des lamasticots, ils s'entretuent. C'est aussi passionnant que de regarder une chenille en train de manger une larve. Hein, ah, c'est, oui, mais c'est belle chenille. Niveau épique limité. Hein. Ah, oui, tiens, tant qu'on y est à parler des vieux jeux, tu te souviens de Baldur's Gate? Oui. Il y a un moment, il y a un mec qui te rejoint et il a un pauvre rat. Oui, c'est vrai, c'est un mec super baraqué, un peu con, mais il a... Et genre, moi, généreux comme je suis, j'attaque la police.
Et donc je m'en sors à gagner contre la police. Donc déjà, je suis très fier du combat. Et il y a le rat là, qui, le mec du rat, il dit ouais, bon, faut aller se rendre parce que quand même, c'est pas bien de tuer la police, machin. On va aller se rendre. Alors moi, je lui fais oui, oui, on va aller se rendre. Donc je lui ai pris toutes ses affaires. Et après, je l'ai pété comme un enfoiré au moment où il a dit c'en est. Aïe. Oh putain. Et au moment où il m'a dit c'en est trop, je quitte le groupe. Je l'ai pété deux secondes après. Il avait que son rat et ses poings. C'est déjà pas mal. T'aurais on était tué. Que 5, hein. Attends, on était 5 contre 1, c'était équilibré. Ouais, moi, il y a pareil dans Dragon Age, puisque finalement, Dragon Age, c'est la suite inavouée de Baldur's Gate. Ouais, et notamment, t'as un personnage comme ça, c'est un personnage qui est censé être assez intègre. En fait, c'est un peu un manipulateur pas très charismatique. La suite. Ah. Par contre, je sais pas comment on va descendre. Oui, donc vas-y, continue. Mais donc, du coup, c'est pareil, je me suis aperçu que je préférais voir des méchants, parce que les méchants, ils étaient beaucoup plus light sur le comportement moraux que je pouvais avoir vis-à-vis des PNJ. Et du coup, avant de le quitter, avant qu'il me fasse une crise, j'ai sauvegardé, et je l'ai mis à poil, je lui ai tout retiré. J'ai dit, vas-y, c'est bon, tu peux faire ta crise. En mode, bonjour, je suis un connard. Tiens, je te donne une technique pour casser du sable. Ouais, c'est quoi? Regarde, tu prends une torche. Ouais. Tu retires le dernier, tu poses une torche. Tu retires celui dessus. Tac. Voilà. Je vais continuer à creuser. Ouais. Donc là, on vient de trouver un endroit pour faire une maison. On a essayé de construire une petite baraque en bois et d'y ajouter, en fait, dans une cave qu'on a juste de creuser, une sorte de serre, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, une serre souterraine, on pourrait dire. Et donc l'idée, c'est d'avoir une petite serre afin d'avoir un revenu de nourriture assez à peu près fixe. Et le plus marrant, c'est quand même de faire pousser du blé pour faire du pain. Ce qu'il faut faire après, c'est que tu fais un enclos à l'extérieur. Et faire un enclos à l'intérieur aussi. Oui, enfin, si tu veux. À l'intérieur, parce que finalement, ouais. Si on fait descendre l'agriculture, ce qu'il faut pour nourrir les bêtes, c'est du foin. Et le foin, on l'a en ramassant du blé aussi, plutôt que faire des gâteaux. Et donc quand tu donnes du foin à des animaux, ils se reproduisent. Oui, c'est ça. Et tu peux les attirer avec du foin. Donc voilà, il faut qu'on ait... Bon, je vais empêcher le truc de couler, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ça s'appelle la mine, c'est la caverne cheatée. Une caverne avec une seule pièce. On appelle ça une caverne toute pourrie. Ah, excuse-moi, je connais pas tous les termes officiels. Ouais. Allez, je vais à la chasse. Yo. Tam 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 la 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 fuite cette bataille. Toi, quand tu vas chasser, la mission qui devient la chanson qui vient à l'esprit, c'est Mission Impossible. Oui. Ça veut dire beaucoup sur ton talon de chasseur, quoi. Oui, bah écoute, c'est la crise. Chérie, je vais chasser le papillon. Ouais, le papillon, c'est encore plus dur. Voilà, ça c'est pour mes fans. C'est un choix. C'est super. Je vous les conseille d'être fan. C'est tout ce que vous aurez. Ce qui vous en dit long sur la personnalité. De toute façon, c'est Bender. Hein. C'est... Faut pas s'attendre à un niveau de fan d'attitude élevé. Quoi. Alors, je précise quand même que j'ai juste doussé. Hein. Ce n'est pas d'autre bruit. Il va péter, il va dire ça, c'est pour mes groupies. Non, YouTube, c'est français. Oui, bien sûr. C'était développé à Lyon, le petit village. Tout près de la poste, il y a une poste en France. Ouais, il y a une poste, il n'y a pas d'électricité. Et là, c'est les hamsters qui font tourner les computers. Les computers. Les computers. Internet, en fait, c'est limité à du... c'est du hamster, c'est ça? Ouais. Oh, c'est dur, faut les faire tourner, courir toute la journée. Moi, c'est du 32 mulots, tu vois, mis à jour. Ah oui, on a tous des moustaches et on adore le pain. Oui. Surtout les moustaches retroussées comme les poilus de la Première Guerre mondiale, tu vois. Tout à fait. Les moustaches qui remontent jusqu'aux yeux. Quand tu fais un sourire, tu fais peur à un gamin. Le lundi, le vendredi, il court encore. Bonjour. Pédophile. Ouais, ça, le samedi, suicide. Voilà. Bah oui. Le pauvre gamin. C'est ça la France. Soyez fiers de l'identité française. On a tous des marinières et on n'aime pas les Allemands. Ah si, elles font des très belles vidéos, des vidéos cochonnes. Bon d'accord, en dehors de ce domaine-là, on n'aime pas trop ces Allemands, c'est ça? Bah, oui, bien sûr, si on est limité à la Seconde Guerre mondiale. Faut dire qu'on s'est bien fait poutrer.
Dans l'ensemble, ouais. Je suis assez d'accord. On a bien été obligé de les aimer au bout d'un moment. À un moment, on les voyait tellement souvent en France. C'est que les que nos fans. C'est comme les Britanniques, c'est des nations qui sont rivales. Enfin, c'est des vieilles nations en guerre, quoi. Bon, c'est un peu changé, les Britanniques, mais... Oui, les Britanniques. Les Anglais. Bah quoi? La maison, elle est mal faite, bon, bah, tant pis. Bon. Bah d'accord, ok. C'est quoi cette sonnette? Dang dang! Dang dang! Allô? Dang dang! C'est une colonne. Je l'appellerai le quart de colonne, parce qu'il manque un en haut et un en bas. C'est plutôt le tiers. C'est une colonne qui tient grâce au mur. Ça, c'est non, une... Colonne. C'est une colonne murale de version... temps partiel, ils ont employés, ils ont travaillé merci à moitié. Fonctionnaire, tu vois. Merci aux fonctionnaires. Ils ont dit, ouais, c'est l'heure de la pause, on se tire. On a fait une colonne à l'entrée. Joli, hein. On a fait toute l'église comme ça, puis tu vois plus petit. Comment vous pouvez pas chier à la nettoyer, hein. Non, une statue, ça sert à quoi mettre une statue? On va vous mettre une demi-statue. Voilà, donc en résumé, nous avons fait une petite bâtisse en bois dans cette crique. Qui n'est pas un cric de voiture. Dans cette c'est pas une cric d'ailleurs. On dit pas un cric, on dit une grève, je sais pas comment on peut appeler ça. Quoi? Si, c'est une cric, je sais pas de quoi. C'est une verrière. Hein? C'est une verrière et puis tu fais pêche. Non, mais je te parle de l'ensemble du paysage. Oui, c'est une cric. Bon, ouais, tu viens prendre ta houe, oui, ou caca. Et donc, dans cette cric, nous avons construit une verrière, une serre en fait, une serre souterraine pour laquelle nous allons, dans laquelle nous allons planter du blé. Pour pouvoir ensuite faire un élevage plus bas. Voilà, c'est ça l'idée. Et jusque là, on joue sans mode et on joue juste avec ici un mode de texture qui s'appelle le Summerfield. Qui est un pack de résolution de, je crois c'est... Oh, je sais plus. Attends, bouge pas, je réfléchis comment on va. Je retiens ma respiration jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Bah suicide-toi alors. Je me suicide jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Après t'arrêtes. Ah oui. Ah oui, mais attends, on va le faire là. On va les mettre dans le noir. Ils n'ont plus jamais voir la lueur du jour, les pauvres. S'en fout, ce sera comme l'élevage en batterie. Ils sont habitués. Mais la batterie, c'est que pour du rock'n'roll. Non. C'est un symbole. Ah bon. Mon frère aussi, il joue de la batterie, il a des symboles. Oh, oh, oh. Là. Viens ici. Viens. Mais non mais... Non mais t'ouvre. Oh merde. T'as pas... L'idée était bonne. Oh j'ai une autre idée, regarde. Viens. Non, non. Viens. Non, non, non. Non, casse pas la bite. Voilà. Oh. Putain, en plus il est même pas au bon endroit, il va flinguer la nourriture. Ah bon? Mais oui, s'il marche dessus, ça va flinguer. Oh, je vais le tuer. Il remonte. Vas-y, remonte, connard de poulet. Ah voilà. Donc la petite récap, c'est qu'on a construit une maison en bois, on a fait ensuite une serre avec un système d'adduction. Par contre, là, il y a un truc qui est... On n'a pas rebouché le trou que t'as cassé. C'est bon. Ouais. Et ensuite, on s'est démerdé pour amener un poulet, quelques œufs dans un poulailler en fait, dans un... Voilà. Ouais, là tu... Là on le voit pas. Ouais, une sorte de clapier plutôt qu'un poulailler. Hein. Ouais. Et voilà, et donc maintenant on a de quoi vivre relativement en autonomie. Ce qu'il faudrait c'est quand même... Moi j'aimerais bien voir... Oh là... T'attends les bruits. On n'est pas très loin de, en fait, de cavernes. Enfin, dans Minecraft, t'es jamais très loin de cavernes souterraines. Il y en a partout finalement. Non, là, il y en a une, là. On a un accès, hein, si tu veux. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est un piège à mob, mais relativement simple. C'est-à-dire qu'on commence à creuser, par exemple, du haut de la montagne. On fait un trou de, disons, de 6. Ah, tu veux qu'on fasse ça? Ouais, mais il faut une pelle. Ah, t'as fait une. Oui, c'est pour quand il tombe, pour pas qu'il se casse la gueule. Merde, j'ai tapé un poule. Bien joué. Ça va, elle est pas mort. Ce qui est dommage avec Minecraft, c'est que c'est un monde qui est drôlement intéressant lorsque tu te balades sur Terre, mais sur mer, il n'y a rien, alors qu'il est couvert, ouais. Bah, je dirais, autant d'eau que de terre, peut-être. Ouais, un peu moins, je pense. Bon, regarde, tu vois de la flotte. C'est parce que là, on ne se voit pas.
Et donc il a pas pensé à développer le monde sous-marin, alors que c'est un monde qui peut être vraiment sympa. Mais je pense que ça viendra peut-être après dans les prochains patchs. Non. J'ai tué un poulet pour fêter le coup. Non. Allez, j'en pique les deux. T'as raison. Tu tues un poulet, je te tue. Ah bah dis donc. On touche pas au poulet. Quelle solidarité. Je vais t'en passer. Ah, c'est des claps. Tiens, plein de zombies. Ah non, au-dessus. Aïe, aïe. Tu m'as foutu deux coups d'épée. Oh. Non. Oh, t'es un boulet. Je pensais pas qu'on pouvait mourir si vite. Hein? Je pensais pas qu'on pouvait mourir si vite. Mais t'es un boulet. Bon bah voilà, l'épisode s'arrête ainsi. Bon. Messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Skylinos pour cette partie. Et puis à très bientôt.